bienvenue sur ma chaîne de Marie Couleur Papier. Je vais vous présenter aujourd'hui un album un petit peu en retard, mais ma chaîne n'existait pas encore au 14 février, puisqu'il s'agit d'un album Saint-Valentin. Donc, il se présente sur la couverture avec ici une découpe My Sweet Valentine en carton bois. C'est un album rigide avec toujours mes cordons fétiches que j'adore. Ici, un petit pompon. Et l'arrière est tout simple. C'est un papier légèrement comme du buvard en fait. Voilà. La fermeture est un ruban. Ici, une très jolie dentelle avec des cœurs alternés dorés, couleur lin et couleur rouge. Alors, lorsqu'on ouvre l'intérieur, ici c'est le même papier. Et là, ce sont des éphéméras que j'ai trouvés sur Pinterest. Donc ici, vous avez une très jolie carte ancienne avec une dentelle de récupération. Ici, un tag. La pochette l'avait fait avec une page de livre sur les sentiments. Donc ici, vous avez le mot « amour ». Là, un papier cardstock. Ici, une perforatrice de bordure, des autocollants que je trouvais appropriés avec deux petits amoureux, des cœurs. Ici, c'est une carte que j'ai découpée parce qu'elle était beaucoup trop grande pour pouvoir la rentrer. Là encore une illustration d'une vieille carte de Saint-Valentin, un petit chérubin, ici ça se soulève, là un simple tag avec une petite perforation cœur et une carte de Saint-Valentin qui a été coupé en fait, donc du coup je l'ai gardé comme ça parce que je trouvais que le petit chérubin était adorable. Des poinçonnages d'angles, du papier vieilli avec une vieille carte, une page de cahier, un autocollant chérubin, ici la page est perforée avec un petit cœur, ici un éphéméra de chez Action, il me semble. Un petit cœur qui doit venir de la même collection. Des autocollants cœur avec des chérubins toujours. Ah bah oui, c'est l'amour, hein, il y a des chérubins partout. Ici, une vieille carte de Saint-Valentin avec une dentelle. Là, une petite enveloppe qui a été collée avec un cœur perforé. Hop, voilà, pour écrire dessus. Là, ici, un petit chat, mais je trouvais qu'il était approprié. Enfin, un petit chat, deux petits chats. Ils ont l'air tout mimi et tout amoureux avec les fleurs autour. Une photo encore de Saint-Valentin, enfin une photo, une image. De la dentelle de récupération, des perforations, un autocollant. Encore une image trouvée sur Pinterest d'une vieille carte de Saint-Valentin, de la dentelle, un autocollant, du papier millimétré. Je trouvais ça sympa de mettre ça là-dedans et puis ça donne un petit côté sympa avec un côté bleu, un côté orange, j'aimais bien. Un apron papier. Ici c'est comment ? Une feuille de papier scrap que j'ai perforée avec un petit cœur. Hop, ici un éphéméra qui vient certainement de la même collection que le premier. Et puis ça s'ouvre et ici un petit cœur brillant collé. Voilà. Ici encore une petite carte de Saint-Valentin, des perforations, un joli cœur avec un chérubin. Hop, ici un belly band. Hop, pardon, je passe devant, je suis désolée. Avec un cœur trouvé dans un journal, je ne sais plus lequel.
et ici une page de livre qui vient d'un livre qui s'appelle Toi et moi. Je trouvais que c'était approprié. Et dessus, il y a un poème qui se termine par « Allons, embrasse-moi ». Je trouvais que ça, c'était complètement adapté. Hop. Une jolie carte de Saint-Valentin. Un papier à rayures. Ici, encore... cardstock avec une petite perforatrice cœur. Là, un autocollant encore avec des cœurs et des chérubins. Ici, encore une page du livre dont je vous ai parlé. Cette fois, c'est le mot passion. Donc, à l'intérieur, un éphéméra et un cœur. Voilà. Ici, une carte de Saint-Valentin en forme de cœur. Ici, hop, un petit paperclip fait avec un trombone tout simple et puis du tissu. On enlève ça. Et là, ça s'ouvre. Il y a plein de petits bazars. Donc, une page d'un livre qui pose la question « Existe-t-il des sentiments interdits ?» Je trouvais que c'était bien adapté encore une fois. Ici, un fond de carte avec un cœur. Là, un papier pour le journaling et de ce côté, une image d'internet avec le téléphone des amoureux. Voilà. On referme. On remet le paperclip. Et la petite éphéméra. Ensuite, du papier vieilli, encore une carte de Saint-Valentin en forme de cœur, un chérubin. Vous voyez qu'il y a de quoi écrire quand même. Hein. Si les amoureux veulent échanger là-dessus, il n'y a pas de souci. Ici, c'est un petit agron sur lequel j'ai collé des petits cœurs brillants et des petits cœurs mat, d'ailleurs, les deux. Là, c'est de la récupération de dentelle. Ici, ça s'ouvre. Là, c'est perforé avec un petit cœur. Là, on a un autocollant, enfin un sticker pailleté avec des enfants. Cette fois, ce ne sont pas des chérubins, des petits enfants amoureux. Ici, on arrive sur une double page centrale de la signature, puisqu'il n'y en avait qu'une, mais elle était suffisamment conséquente, avec là un chérubin en train de coudre des cœurs et ici le baromètre des amoureux. Là, nous avons encore une page de livre avec le mot bonheur. Ici, c'est une page d'un petit carnet, voilà, perforé avec une fleur, et là ça vient d'un bloc action, ces petits amoureux là. Ici, le petit ange est glissé simplement sous la trombone. Là, un sticker qui est à cheval sur les deux pages. Ici, un belly band en dessous duquel j'ai mis le mot love, un cœur. Et encore une page de livre avec amour, amitié, passion. Voilà, sur la différence entre tout ça. Ici, une image de Saint-Valentin où le petit Cupidon apporte un cœur. Là, un tag avec le mot love et une colombe. Ici, ça se soulève. Toujours de la dentelle de récupération. Et ici, une très jolie image de Pinterest avec des amoureux en train de s'embrasser. Je la trouve super belle, cette image. Dommage, je ne me souviens plus où je l'ai prise, mais elle est vraiment très jolie. Un petit chérubin. Une carte de Saint-Valentin en forme de cœur. Encore un chérubin. Oh, ça s'est tourné. Hop. Voilà, ici,
perforer avec un petit cœur. Là, pardon, je ne vous ai pas dit le mot love. Ici, hop, un petit papier qui se déplie. Voilà, ici, c'est une carte de Saint-Valentin déchirée et teintée. Donc pour beaucoup de ces papiers, ce sont des papiers de récupération. Quand j'ai des choses décrites dessus, je récupère la partie qui est inutilisée pour pouvoir m'en servir, ce qui est bien pratique. Et puis en plus, ça fait du bien à la planète de faire de la récup. Là, des petits cœurs, une petite fille qui attend son Valentin, encore un chérubin. Ici, un petit éphéméra. Celui-ci, je ne sais pas d'où il est tombé. Bon, on va le mettre là. Hop, une carte de Saint-Valentin. Ici, le même principe que tout à l'heure, sauf que je n'ai pas perforé le petit cœur. Faut changer un peu. Là, c'est un autocollant sticker toujours de chez Action. Là, c'est perforé. Ici, un éphéméra coincé sous le paperclip. Voilà. Ici, un éphéméra sous le paperclip. Alors, ces éphéméras Action, vous les reconnaissez, mais ils viennent de plusieurs collections, en fait. Hein. Plusieurs livrets. Ici, une jeune femme qui attend son Valentin. Des chérubins. Ici, une page toujours de ce mot avec le mot douceur. Et un éphéméra avec With Love, et ici un joli cœur. Là, une petite Valentine. Ensuite, des chérubins qui se font des bisous. Ils ont le droit aussi. Toujours mon papier de récupération qui a collé. Non, c'est bon. Ici, un petit jeune homme qui va poster sa carte pour sa Valentine. Ici, deux colombes avec un cœur. Là, du cardstock. Et puis, avec une petite perforation en bas. Là, c'est simplement glissé. Du papier de cahier. Ça aussi, c'est de la récup. Une carte de Saint-Valentin qui ressemble à la première, mais qui n'est pas la même. Hop. Vous voyez ici, elle n'a pas le même style de vêtements, mais ça doit être de la même collection, je pense. Je la trouve aussi super jolie. Un petit chérubin qui livre le courrier. Ici, le mot jouissance. Bah oui, l'amour aussi est fait de ça. Un petit tag sur lequel j'ai collé love. Ici, une jeune femme à qui le chérubin vient lui glisser le nom de son amoureux. D'ailleurs, je pense que c'est plus qu'un chérubin, ça doit être Cupidon. Ici, deux colombes, une carte en forme de cœur avec Cupidon cette fois, puisqu'il a, il a vraiment son arc. Là, ça s'ouvre comme ceci pour pouvoir écrire. Voilà, ici c'est juste glissé en dessous. Là, des petits Cupidons sous un arc, des petits enfants, pardon, sous un arche. En forme de fleur, et on arrive à la fin avec la dernière page et deux petits cupidons, et ici un petit cœur collé. En fait, le petit cœur, il est pour cacher la fin de mon ruban que j'avais oublié de glisser en dessous. Voilà, je me suis débrouillée. Voilà, bah, je vous remercie. Au revoir.